Alors ce matin, je vous emmène sur l'île d'Odaiba, une île artificielle dédiée à l'amusement et au shopping. C'est l'endroit favori des Tokyoïdes pour venir passer le week-end et les jours fériés. Et pour cela, on va prendre un bateau. C'est parti, on y va. Mais c'est pas ce bateau-là, non, c'est un autre bateau. Tu vas me demander qu'est-ce qu'il y a à faire et quelles sont les choses à voir ici à Odaiba. Et ben voilà mon top des incontournables. Alors, 1-1, venir faire une photo devant la réplique de la Statue de la Liberté avec le Rainbow Bridge derrière. Ça fait plaisir, c'est une belle photo souvenir et en plus c'est gratuit. Il est rare de voir des chiens à Tokyo, c'est rare. Enfin, moi depuis que je suis là, j'en ai pas vu dans les rues, et c'est vrai que les Japonais se baladent pas avec leurs chiens. Mais alors quand on voit, c'est pas n'importe lesquels. En deux, venir mitrailler de photos, le Gundam géant qui est juste derrière moi, frisson garanti, il est immense. Et en plus c'est gratuit, ça s'est fait plaisir ou pas? Et pour les plus chanceux, vous aurez peut-être même la chance de le voir bouger et cracher de la fumée. En 3, montez à 115 mètres de hauteur au sommet de la plus grande route de Tokyo. Fait 16 minutes, le timing est parfait pour faire des photos et des vidéos. En 4, la plage d'Odaiba. Et ouais, aussi fou que ça puisse paraître, ici, sur cette île artificielle d'Odaiba, vous avez la plage. Compris, maintenant on va aller manger et dans la meilleure chaîne de burgers hawaïennes, c'est ici, c'est juste derrière moi. Moi je vous conseille de privilégier les places pour la BVC, comme ça vous aurez une vue superbe sur la Statue de la Liberté en mangeant votre burger. En 6, je vous emmène au Sega Joy Police, un espèce de parc d'attractions avec que des trucs Sega. C'est sur 3 étages, je vous fais la visite, c'est parti, je vous montre. Mais par contre, tu ne bouges pas de ton canapé, tu restes assis, je fais tout pour toi. Je peux vous dire qu'ici, l'ambiance, elle est folle, les Tokyoïdes sont comme des dingues. Regardez ça tout de suite. Ambiance de ouf, les gens sont dynamiques, quoi. Ah ouais, je vous dis, les gens sont dynamiques, hein. Yeah.
succéder ce petit japonais là. Je vais appeler la sécurité tout de suite. Ah ouais, ici les jeux de voiture, c'est pas comme chez nous en France, là, juste la vente de la voiture. Là, t'as la voiture entière. Donc voilà ce que font les Japonais ici à Odaiba, le week-end. Parc d'attractions, plage, Gundam géant, ils mangent des burgers, ils font des photos devant la statue de la liberté. Et si toi, un jour, tu viens à Tokyo et que tu te pointes ici à Odaiba, et ben fais la même chose, c'est super sympa et t'auras l'impression d'être un Tokyoï toi-même. Bon les filles, moi j'y vais parce que j'ai des trucs à faire. Bye bye, à bientôt, bonne journée, merci, arigato. Voilà, la nuit tombe sur Odaiba. Le temps pour moi de rentrer à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé une belle après-midi. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le pouce rouge, hein, tu connais pas, tu laisses tomber. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Aside from my soul.